Bonsoir Claude. C'est bien que la commission ait avancé l'audition. Claude, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, maintenant je vais voir les sanctions. Ouais, pour toi c'est important que la commission statue aujourd'hui, ça peut te permettre de jouer Marseille? Non, en général les décisions vont mieux faire, ce pas le plus rapidement possible, donc que ce soit pour moi et c'est une bonne chose aussi. Globalement, je bien défendu. S'arrêter juste deux secondes, s'il te plaît Claude. J'en ai pour une minute. Oui, ouais, voilà. Non, le problème c'est que je me suis défendu par rapport tout simplement aux vidéos, avec la prestation de l'arbitre, tout simplement. Donc, je vais attendre la décision et j'ai accepté la décision de l'arbitre. Est-ce qu'ils ont posé des questions? Est-ce qu'ils ont, comment tu les as trouvés, plutôt conciliants? Est-ce qu'ils ont cherché à... Ah oui, non, ils ont cherché à savoir par rapport à la prestation de l'arbitre, par rapport à la prestation. Donc, les deux choses ont été... Et quand on donne ça, on a discuté, donc j'avais besoin de dire mon avis. Vous avez regardé les images, j'imagine? Oui, bien sûr. Donc la possession était ce qu'il avait donné la présence avec l'arbitre. Donc c'est pour ça que j'avais mangé, mais ça a été décidé. Il était plutôt confiant par rapport à tout ce qui a pu se passer tout de suite? Oui, ça, oui, bien sûr. On n'est jamais confiant, donc c'est eux qui doivent décider. C'est important de pouvoir se défendre et de présenter tes arguments et ta défense. Oui, c'est normal. Je pense que c'est bien d'entendre les joueurs. Je dis ce que j'avais à dire. Donc, moi, j'espère que la sanction sera pas sévère parce qu'il n'y avait pas lieu d'agression. T'espères jouer Marseille surtout? C'est ça dans la tête, ce qui trotte? Non, tous les autres matchs. Il y a Lorient, il y a Marseille, il y a Rodez. Donc, pendant ce par rapport à la sanction. Ok. Merci beaucoup. Merci. Comment est-ce qu'il s'est défendu? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Écoutez, comme tous les joueurs qui se présentent, hein, vous savez bien qu'on n'a pas à révéler les secrets de la délibération, hein, mais bien sûr, Claude Makélélé ainsi que l'avocat de M. Cessaignon ont été entendus et ont pu s'exprimer librement, bien sûr. Donc on a bien compris, c'est trois matchs pour Stéphane Cessaignon. Tout à fait. Ouais, des faits caractérisés de brutalité au terme des lois du jeu, hein, et du barème disciplinaire. Et en ce qui concerne Claude Makélélé, il s'agit d'une faute grossière. Faute grossière, au sens des lois du jeu et du barème disciplinaire. Ouais, donc le fait que le joueur n'ait pas été blessé, dans le cas de Claude, ça a joué, parce que si... Bien sûr, la commission prend en compte à la fois le geste, ouais, caractérise la faute, évalue la faute, et après les conséquences. Il y a une folle rumeur qui a couru à propos de PSG Marseille et tout, qui pouvait influencer sur la sanction et de Stéphane Cessaignon, donc trois matchs c'est pas bon, mais de Claude Makélélé, est-ce que cette rumeur était fondée? Vous pensez bien que la commission de discipline ne peut ni prendre en compte des considérations de calendrier, elle est respectueuse des règlements disciplinaires quand on date de convocation et quand en conséquence on juge des faits et un joueur et pas le fait que ce joueur puisse jouer tel ou tel match. Ça rentre absolument pas en considération parce que ça dénaturerait nos jugements. C'était dans le bon sens. À partir de lundi à 0h, du lundi 3 mars à 0h. C'était dans le bon droit donc que la convocation n'a pas eu lieu le 5 mars, mais ce soir. Tout à fait. Nous devons respecter un délai de 15 jours afin que les joueurs puissent et leurs défenseurs puissent assurer leur défense. Après, eux ont la possibilité de demander aussi, en respect des règlements, d'être entendus plus tôt. Est-ce que ces décisions sont susceptibles d'appel? Bien sûr. Le club, les joueurs ont la possibilité de se pourvoir devant une juridiction d'appel, qui est en l'occurrence la Commission supérieure d'appel de la Fédération.